Bien le bonjour à tous, amoureux de la K-pop, ici BJ de retour pour une réaction à un clip et on a un comeback des Oh My Girl. Je connais le nom, je me suis jamais trop intéressé parce que je pense, j'ai l'impression, peut-être que je me trompe complètement, que c'est des filles dans un genre très cute et même s'il m'arrive d'adorer ça, notamment chez les Twice, bizarrement j'y vais pas de moi-même regarder ce genre de clip. En tout cas là, j'en ai entendu parler, j'avais envie d'y réagir parce que j'ai envie de découvrir un maximum depuis que je fais cette chaîne de groupe et donc c'est les Oh My Girl qui reviennent avec Remember Me. Rappelle-toi de moi, souviens-toi de moi. Allez, on va regarder ça tout de suite et voir ce que ça donne. Alors déjà, on a l'image d'une planète vue de l'espace avec un satellite. Et il y a des bruits. Des bruits d'ordinateur. Il y a un écran plasma sur la... Ah, mais c'est un satellite, oh my girl. Bon, attendez, c'est pas cute, ça? Ah, si y a... J'arrive... C'est un mélange entre cute et badass. Ah, c'est bizarre. Mais sympa. Ah, elle ressemblait à Rosé des Blackpink. Oh! Ça mélange mignon et... C'est un truc qui... Et ça repasse sur du gentil tout doux. Alors attendez, qu'est-ce que c'est que ces décors là de jeu de le juste prix? Ah, il y en a une qui est dans l'espace. Elle est arrivée sur Mars. Et là ça part un peu jazzy. Ça veut faire le pont entre mignon et peut-être le refrain qui va péter un peu plus. Avec le petit... par derrière. Et voilà. Bim. On s'est plus donné de la tête. Et hop. Mais à chaque couplet, ça change de style en fait. Elles sont belles, hein, je les connaissais pas, mais il y a vraiment des jolis visages. Toujours les couleurs, mais bon, les couleurs dans tous les clips de K-pop ou quasiment, c'est un truc de fou. Pourquoi de temps en temps elles ont l'air tristes? Ça, c'est marrant. On dirait un jeu vidéo où on est en train de poser des objets. Et le son, comme il pète derrière. Je sais plus quel type de musique j'écoute. Bien sûr, c'est ce genre de partie là que je préfère, hein, quand ça... Et elle repasse à un autre style. Bon, belle, elle met les feux d'artifice apparemment. Oh, c'était bien ça! Avec les bras derrière. Elle, c'est une princesse sur une montgolfière. J'espère qu'elle a pas le vertige quand même. Elle est vraie, elle ressemble vraiment à Rosé des Blackpink, je trouve là. Celle qui était là. Les voix sont jolies, hein, la mélodie est pas mal. Il y avait un chien en forme en ballon. Ah, on le voit à ce point-là, le feu d'artifice vu de l'espace. Plutôt sympa, plutôt rafraîchissant. J'ai l'impression que c'est quand même beaucoup plus cute en gros, avec quand même un son un petit peu qui tape, mais quand c'est les parties cute, on l'entend beaucoup moins, et on s'en rappelle pour certains couplets, certains passages ou certains moments de refrain, je sais jamais trop quand, où d'un coup ça devient vraiment badass, mais c'est que par petites touches, donc c'est plus une sorte de cute, mais pas de cute nian-nian. C'est très étrange, mais c'est agréable, j'ai bien aimé écouter ça. J'ai découvert ce groupe, comme d'habitude. Si vous les connaissez et que vous pensez qu'il y a des choses qui peuvent me plaire dans ce qu'elles ont fait, n'hésitez pas à m'en parler. Voilà, et avant de vous dire à la prochaine fois, je vais, comme d'habitude, ces derniers temps, vous parler de ma chaîne principale, parce que ça me tient à cœur. C'est une chaîne geek, jeux vidéo, où des fois je fais le débile. Je mets le lien dans la description en dessous. Si vous êtes curieux, allez voir. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, car ça m'aidera bien. En attendant, et jusqu'à la prochaine fois, portez-vous bien. Ciao, à la prochaine.